Hop. 12 de moins. On est DAF, les médéos. On fait la médé aujourd'hui. Même si on a quelques DAF de retard, on le rattrapera avec Zahachem. On va reprendre la médé d'Alet Amoudbet, Bishlama. 12 lignes avant la fin. 12 lignes avant la fin. Alors, la Gemara, la problématique qu'on a vue depuis le début du Pérec, c'était l'opposition des deux Mishnayot, la Mishnah de Ktubot et la Mishnah de Makot. Donc, Ktubot, il y a marqué que si un homme il a violé sa sœur, alors, malgré le fait qu'il est chayav karet, il est quand même chayav de payer le knas. Et dans Makot, il y a marqué qu'il était loqué. Donc, on avait dit, c'est une stira apparemment. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être loqué et payé. Il devrait y avoir un dîme de Kimlev d'Aravamine, même dans Malkout et Mamon. Non, pas loqué. Dans Makot, il y a marqué loqué. Chez nous, il y a marqué Eluna, Rochechlem, Knas. Tu payes. C'était la stira. On avait vu sur ça hein, le tirout de Rabbi Yochanan, le tirout de Resh Lakish. Le tirout de Rabbi Yochanan était dans Makot, il y a une atra sur le Malkout. Comme il y a une atra, on lui a dit attention, si tu fais ça, tu reçois Malkout. Il a dit je sais, c'est pas grave. Je prends sur moi, alors c'est normal qu'il reçoive Malkout. Kim le Bedarabamine. Le plus fort entre Mammon et Malkout, c'est Malkout. Alors que dans Ktubot, chez nous, pourquoi il paye? Parce qu'il n'y a pas eu d'atra. Zeshita de Rabbi Yochanan. Viens Resh Lakish, il ne dit pas du tout. Pas besoin de dire de faire une Nukimta. Là, il y a eu d'atra, là, il n'y a pas eu d'atra. Notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et la Mishnah de Malkout, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il pense que Loke ou Mshalem. Il n'y a pas de Kim le dans Malkout. Ok? Elle nous dit, c'est Rabbi Meir. Les Mishnayot, et d'après Rabbi Yochanan, non. Bishlama Rabbi Yochanan, je comprends Rabbi Yochanan. Lo Amar Keresh Lakish. Pourquoi il n'a pas voulu être Moukim la Mishnah et établir que la Mishnah c'est Rabbi Meir? Parce que je préfère dire que la Mishnah elle est Rabbanan. Et pas être Metsamtsem, le Tanan la Mishnah. Bishlama Rabbi Yochanan, Lo Amar Keresh Lakish, de Kamoukim la Kerabanan. Et la Resh Lakish, ma Itama, Lo Amar Kerabbi Yochanan. La Shalai, pourquoi Resh Lakish l'a pas accepté? Ok, il a fait une Nukimta, mais toi aussi tu fais une Nukimta parce que tu dis que c'est Rabbi Meir. Je ne veux pas une Nukimta technique en disant là, il y a eu à travers, mais tu fais une kimta finalement en disant que c'est que Rabbi Meir la Mishnah, que l'oké ou mshalem. Amar Lecha, il te dit comme ça, Resh Lakish, qui va d'Eloï Troubé Patour, qui l'Oï Troubé n'a mis Patour. Il dit qu'en fait, le din de Kimle Bidarabamine ne dépend pas du Onesh Befoal. Est-ce qu'on lui a donné le Onesh, on lui a pas donné le Onesh? Est-ce qu'il y a eu Atra, il n'y a pas eu Atra? Non. Le Kimle Bidarabamine dépend du fait qu'il a fait deux Averot sur lesquels il y a un Onesh différent. Et il y en a un qui est plus fort que l'autre. Même s'il n'y a pas eu d'atra, même si Bassof, on ne va pas lui donner le Onesh Ramo, il y a Kim Lev Darabamine. Donc Resh Lakish, je te dis, ça change quoi qu'il y ait eu atra ou pas? Ça change rien. Si Bémet, on pensait qu'il y avait Kim Lev, alors il devrait y avoir Kim Lev de partout. Jamais il payera Knas. Parce qu'il a fait une Avera sur laquelle on est Chayam Malkout. Ah, pour être Chayam Malkout, ça dépend de l'atra. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui est poter de Kim Lev. Ce qui est poter de Kim Lev, c'est la gravité de la Avera sur laquelle on est Chayam Malkout. Et cette gravité-là, elle ne dépend pas de l'atra. Donc c'est pour ça que Resh Lakish te dit qu'il y a eu Atra ou qu'il n'y a pas eu Atra, Tachlès aurait été pas tour de payer. Alors comment se fait que chez nous il y a marqué qu'il est Khayab? Akorcha, c'est parce que c'est Rabbi Meir. Zeshitat Rabbi Resh Lakish. Donc c'est pour ça qu'il dit Kivan ilou itroubé patour. Si on avait fait Atra, il aurait été patour. Alors même quand il n'y a pas d'Atra, c'est patour. En deux mots, Kimle Mederabamine ne dépend en d'aucune façon du Onesh Befoal. Est-ce qu'on va vraiment lui donner Malkout? Est-ce qu'on va vraiment le tuer? Non, c'est pas ça, Kimlé. Kimlé, c'est pas que, comme il meurt, il va pas payer. C'est pas ça. C'est comme il a fait une avéra sur lesquels on est Chayamita, alors il payera pas. Mais est-ce qu'on va le tuer? Ça, ça dépend. Est-ce qu'il y a eu Atra, il y a peu Atra? Est-ce qu'il est Mézid? Est-ce qu'il est Shogeg? Ben pareil dans Malkout. C'est pas parce qu'on va lui donner Malkout qu'il paye pas. C'est parce que finalement, il a fait une avéra sur lesquels on aurait été Chayam Malkout. Donc Resh Lakish te dit, on peut pas dire qu'ici, il y a eu Atra et il y a pas d'Atra. Ça dépend pas de l'Atra. Il n'y a pas de Mammon si y a Malkout. Alors pourquoi chez nous il y a marqué Kamamon, Al-Kocha, Rabbi Meir. Veazdou, les Tamayou, ils vont chacun les Chitatam, à savoir Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Kolechadoler les Chitato. Les Chiata Ravdimi, quand Ravdimi est revenu, Amar, Chayve Mitot Shogigin, Vechayve Malkiot Shogigin, Vedavar Acher. Donc s'il y a une Avera sur laquelle on est Chayam Malkout, même Shogeg, donc on n'est pas Chayav. Ou Mita, même Shogeg, donc on n'est pas Chayav Mita. Mais c'est une Avera sur laquelle on aurait pu être Chayam Mita, mais il était Shogeg. Vedavar Acher, mais accompagné de Mammon, qu'est-ce qu'on fait? Kimle Darabamine. Donc même dans Shogeg, il y a Kimle. Rabbi Yochanan Amar Chayav. Rabbi Yochanan dit il n'y a pas Kimle. S'il est Shogeg, il n'y a pas de Onesh. Il n'y a pas de Onesh, paye. Resh Lakish Amar Patour. Même s'il n'y a pas de Onesh Befoal, il y a une Avera sur laquelle il y aurait eu un Onesh Chamour, donc il y a Kimle.
Donc voilà que c'est une machloket, Rabbi Yochanan Reish Lakish. Est-ce qu'on dit Kimle dans Shogeg ou pas? Rabbi Yochanan Machayav de Aloï Troubé. Rabbi Yochanan dit il est chayav de payer parce qu'il n'y a pas eu d'atra. Il est Shogeg. Reish Lakish Amar Patour, qui va de l'Oï Troubé, Patour, qui l'Oï Troubé, Nami Patour. Reish Lakish dit il est Patour. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu atra, il aurait été Patour. Même sans atra, il est Patour. A savoir, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, des filles Reish Lakish, il y a un din de Kimle. D'après Rabbi Yochanan, Kimle, c'est est-ce qu'on va lui donner le Honesh Hamour? Alors on ne lui donne pas le Honesh Kal. Donc ça dépend de la Hatra d'après Rabbi Yochanan. Alors que d'après Reish Lakish, s'il y a une Avera Hamoura, alors on ne regarde pas la Avera Kala. Vous comprenez la différence? Et tu verras Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Reish Lakish, il vient, il passe à l'attaque. Il dit, toi Rabbi Yochanan, tu dis que Kimle, ça dépend du Honesh. Alors il y a marqué Veloi Asson, Anosh Yanesh. Veloi Asson, vous vous rappelez d'histoire? Un homme, il voulait frapper son copain, bah, sauf il y a une femme enceinte qui est passée par là, c'est elle qui a pris le coup. Ça dépend, est-ce qu'elle a perdu les bladotes, mais elle est vivante ou bien elle est morte? Vélo Yasson, si elle n'est pas morte, Vélo Yasson, donc les Vladot sont morts, elle a perdu le bébé. Anosh Yanesh, c'est quoi Anosh Yanesh? Il devra payer. Maïlav, Asson Mamash, n'est-ce pas que là-bas on parle? Hein? Vélo Yasson. Il y a un din de resserre. Non. Ah, le Chinatsu Anashim, quand ils se disputent. Vénakfu Ishaara, et la femme, elle s'est pris un coup, la femme enceinte. Veyatsu Yeladea, les bébés sont partis. Velo Yasson, mais elle n'est pas morte. Okay. Anoshia, deux secondes. Velo Yasson, Anoshia Nesh, Kacher Yashit Alav Balaisha, Venatan Biflilim. Il devra rembourser. Il doit payer ce que ça coûte. Et ça en retire. Donc toi, tu poses la coucha des Rishonim. Toi, tu dis, Arekan, il a frappé et il a un dîme de Rodef. Donc il devrait être pas tour de payer. On a déjà posé cette question, c'est la question de Tosot. Et Tosot y répond. Étant donné qu'ils auraient pu tirer une balle dans la jambe, ils n'auraient pas créé un mita. Donc il n'y a pas un dîme de Rodef. Attends, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'était pas ça la question. Alors c'était... pose-moi ta question. Pourquoi c'est il n'a pas un dîme de Il n'a pas tué. Il a tué le bébé. Ah, c'est ça ta question, j'avais pas compris. C'est une très bonne question. Mais un bébé, tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, l'onikra nefesh. C'est assour de faire un avortement. L'avortement, hein, il y a marqué que c'est ou chauffeur d'amim. Mais il n'est pas Khayamita. C'est pas un rotser. Tu comprends? C'est pas un rotser de tuer un bébé tant qu'il n'est pas vivant. Il est vivant dans le ventre de sa mère, mais tant qu'il n'est pas sorti à l'air libre, l'onikra nefesh. C'est clair? Ça ne veut pas dire que c'est permis. Ça ne veut pas dire que c'est permis, évidemment, mais c'est pas quelqu'un qui fait un avortement n'est pas Khayamita. Ok. Viens, Reish Lakish, je demande à Rabbi Yochanan. Il y a marqué Velo Yasson, s'il n'est pas mort, si elle n'est pas morte, pardon, Anosh Yanesh, il devra payer. Maïla Asson Mamash. Donc tu vois qu'ici on parle de quoi? De Asson Mamash. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu mort d'homme. En l'occurrence, mort de femme. C'est de ça qu'on parle. Mais on ne parle pas de est-ce que lui on va le tuer? C'est pas de ça qu'on parle ici. Le din de Anosh Yanesh, est-ce qu'il va payer ou va pas payer, ne dépend pas du fait qu'il y a eu ici une exécution du meurtrier. Non, Velo Yasson, il n'y a pas eu mort de cette femme, donc lui, il devra payer. Mâche pas que s'il y a eu la mort de la femme, il ne devra pas payer. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que, est-ce que lui, on va l'exécuter ou pas? Comprenez? Ça, c'est le Echer de Reish Lakish. Maïlav, Asson Mamash, n'est-ce pas que là-bas, quand on dit Velo Yasson, c'est Asson Mamash? On dit, non, Din Asson, pas du tout. Rabbi Yochanan répond, non. Lo Yasson, c'est, il n'y a pas de Din de Asson. Il n'y a pas de Din de Mitat Bedin. Il n'y a pas de dîme de Mitat Bedin. C'est pour ça qu'il paye. Mais il n'a rien à dire que Rabbi Yochanan dira, tout est conditionné dans le fait que, est-ce qu'il y a un dîme de Mitat Bedin? Est-ce qu'on le tue ou on ne le tue pas? Mais c'est pas une bonne preuve. Hein? C'est pas une bonne preuve. Alors. Voilà. Chacun, il va le tourner à sa manière. Velo Yasson, Reish Lakish te dira, ah, tu as vu, il n'y a pas eu mort. Mais je crois que ça ne dépend pas de sa mort à lui, ça dépend de la mort de la femme. Rabbi Yochanan dit, non, Velo Yasson, Velo Yedin Asson. Tant que lui, on ne le tue pas, hein, parce qu'il n'y a pas eu mort de la femme, alors il paye. Ikadamri, il y en a qui disent l'inverse. Que c'est Rabbi Yochanan qui amène une preuve pour lui. Et tu verras Rabbi Yochanan Reish Lakish, Velo Yasson, Anosh Yanesh, Maïlav Din Asson, n'est-ce pas que là on parle de Din Asson, Velo Yasson. Si lui, il n'est pas exécuté, alors il payera. Mâche pas que ça dépend pas du fait de le. Mâche pas que ça dépend de l'exécution du meurtrier. Lo Asson Mamash, Reish Lakish répondra. Ici on ne parle pas de Din Asson, on parle de Asson Mamash. Ok. Donc on voit ici bien la marque de Rabbi Yochanan Reish Lakish, à savoir, est-ce que Yakim Levid Rabamin et même Beshogeg? Ou bien c'est, c'est seulement quand Bémézid et qu'il y a eu Atra et qu'il y a des Edim Kshérim et qu'on va l'exécuter. Amar Rava, Mi Kalimanda Amar, Rava, il dit mais ça n'existe pas ça. Cette marque loquette n'existe pas.
Omika le mandama chayav mitot shogin chayavim, ça n'existe pas. On sait que Yakim l'est dans tous les cas. Il a raison, Rech Lakish. Ve'atana de Bechizkia. Tana de Bechizkia nous enseigne. Maké Adam ou Maké Bema. Il y a marqué dans la Torah, Maké Adam ou Maké Bema. Un homme qui donne un coup à une Bema ou à un homme. On les a mis ensemble. Pourquoi on les a mis ensemble? Ben pour nous dire qu'il y a un Ekech entre les deux. Il y a un lien. Quel est ce lien? Quand tu frappes une Bema, tu blesses une Bema. Quand tu casses, tu es Khayav tout le temps. Un Mazik, il est Khayav tout le temps. Adam ou Ad et Olam. C'est-à-dire qu'un homme, il est Khayav, Ben Bechorek, Ben Bemizid. Ben dans Maké Adam, s'il a tué, il sera pas tour, Ben Bechorek, Ben Bemizid. C'est pareil. Ils sont liés. Attends une seconde. Il sera pas tour de Maman. De Maman. Ma Maké Bema. Dans Maké Bema. Le chilak tabo ben Bechorek ben Bemizid. Tu ne fais pas de différence s'il a frappé Bechorek ou Bemizid. Il paiera. Ben Mitkaven et Shanikaven. Il voulait taper, il ne voulait pas taper. Ben Derechidal et Derechalia. Il est en train de monter, il est en train de descendre. Il n'y a pas de différence. Les potro mimon. Tu ne dis pas potaroto. Tu ne dis pas, ah, il était Chorek, il n'est pas tour. Adam ou Ad Leolam, il est toujours chayav de rembourser. Et là, les chayavo mamon. C'est-à-dire que dans Maké Bema, il est toujours chayav. Il n'y a pas de différence entre Derechalia et Derechirida. Vous savez, c'est quoi Derechalia et Derechirida? Dans Shogeg, pour être Hayav Galout, partir des Ramiklat, il faut que ce soit Derech Yerida Dafka. Si un homme il est en train de descendre de l'échelle, il tombe, alors là il est Hayav Galout. Mais s'il est en train de monter, il n'est pas tôt. Ou alors il est en train de lever la hache, il n'est pas tôt. Il est en train de baisser la hache, il est Hayav de Galout, parce qu'il y a marqué là-bas avec Nafal. Dafka Derech Yerida. Donc dans Maké Bema, on voit qu'il n'y a aucune différence entre Shogeg, Mezid, Yerida, Alia, Mitkaven ou Mitkaven. Af Maké Adam. Donc dans Maké Adam, qu'un homme est mort, on sait qu'il y a un dîne de Kimlé. Eh bien, il n'y aura pas de différence. Kimlé, ça sera tout le temps. Ben Shogeg, Ben Bezid, Derech Yerida, Derech Alia. En deux mots, on voit ici une preuve pour Rech Lakish. Ça dépend pas du Onesh du Ben Adam, mais ça dépend de la Avera qu'il a fait. Af Maké Adam, lo tachlok bo Ben Shogeg, Ben Bezid. Il n'y aura pas de différence s'il a tué Bechorek ou Bemizid. Ben Mitkaven et Jenkan, il voulait tuer, il ne voulait pas tuer. Ben Derech Yerida et Derech Alia. Est-ce qu'il voulait. Il montait, il descendait. Les Chayvo Mamon et là les Potro Mamon. Il y aura toujours Kimlé. Donc en deux mots, Kimlé ne dépend pas du Onesh. Ça, c'est vrai dans Mita. Et sur ça, Inachinami Lagmara, elle pensait qu'il y avait une Marklogé Recha Kishir Rabbi Chanan sur ce sujet. Ben, sauf qu'il n'y en a pas. Les Koulé Alma, il y a Kimlé dans Mita. Ben Shogeg, Ben Mezid. Alors quand est-ce que c'est la marque Loguette Rech Lakish Rabbi Chanan dans Malkout? C'est ça la marque Loguette. Est-ce qu'on va dire Malkout comme Mita, qu'il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid, ou pas? Rech Lakish dit oui, Rabbi Chanan dit non. Et là, l'Agma a dit qu'il y a Taravine, quand Ravine est revenu vers Israël, nous a ramené la vraie marque Loguette. Ama Chayve Mitot Shogegin, quand un homme il a fait une Avera sur laquelle on aurait pu être Chayam Mita, mais il était Shogeg. Pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tour de payer. Pourquoi? Parce qu'on dira Kimlé, Ben Bechogeg, Ben Mezid. Qui a dit ça? Tana de Bechizkia. Rappelez-vous bien, très important. Il y a deux Tana, il va se rappeler dans Kimlé de Rabamine. Le Tana de Bechizkia et Rabbi Nochanya Ben Akane. Non, Tanaïm, Rech Lakish est un Amora. Rabbi Nochanya Ben Akane lui dit que même dans Karet, il y a Kimlé. Et Tana de Bechizkia, il dit Ben Bechogeg, Ben Mezid. C'est les deux tanim très importants à se rappeler dans le Kimlé. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Qui pligué. Donc toute la marque Rech Lakish Rabbi Chanan, elle ne peut pas être sur Tana de Bechizkia, qui est un Tana. Alors sur quoi ils sont en marque loquette? Qui pligué Bechaïve Malkout Shogegin. Si un homme, il a fait un Malkout Bechogeg. Une Avera sur laquelle on aurait pu être Chaya Malkout Bemezid, mais il lui a fait Bechogeg. Donc est-ce qu'il est Chaya Malkout? Non. Pourquoi? Il était Shogeg. Mais en même temps, il était Chaya Mamon. Rabbi Yochanan dit, étant donné qu'il était Shogeg, il payera le Mamon. Étant donné qu'il n'y a pas eu Atra, Zeshita de Rabbi Yochanan, pour être Métaret, les deux Mishnayot, il n'y a pas eu Atra, donc il paye. Donc d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de Kimlé dans Malkout, si ce n'est qu'on lui donne le Onesh Befoal. Alors que d'après Rech Lakish, c'est comme dans Mita. Qui pligé, Bechaïve Malkout Shogeg, et une vie d'avoir Acher. Rabbi Yochanan, Chayav, il payera. S'il ne prend pas Malkout, il prend Mamon. Chayve Mitot, il te couche. Dans Chayve Mitot, on a fait le Hekesh avec Maké Adam, Maké Bema. Chayve Malkout, là, il couche. Il n'y a pas là-bas. On parle de Maké Adam, on parle de Mita, on ne parle pas de Malkout. Rech Lakish Amar, pas tour, pourquoi? Befirush Riftatoa, Chayve Malkout, qui est Chayve Mitot. Parce que lui, Rech Lakish, il dit, c'est vrai que là-bas, on parle de Mita, mais à part ça, Befirush Riftatoa, Malkout et Mita ensemble. On a fait un
un Ekech entre les deux. Donc en fait, on a un double Ekech. On a Maké Adam, Maké Behema, qui dit que là, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mézid, donc dans Mita aussi. Et après, on a un Ekech entre Mita et Malkout. Si dans Mita, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mézid, alors dans Malkout aussi. Ça, c'est le Cheshbon de Resh Lakish. C'est la raison pour laquelle Resh Lakish te dit, si Behemet, il n'y avait pas eu Atra, ça ne change rien. Ton Tirout Rabbi Yochanan, il n'est pas bon, il te dit Resh Lakish. Parce que même s'il n'y a pas eu Atra et qu'il n'est pas Chayam Malkout, il doit être Patour de Mammon. Ya Kimle Ben Beshogeg Ben Mézid. Alors pourquoi il est Chayam de payer le Knas dans notre Mishnah? Al-Kochar, c'est Rabbi Meir. Et Chan Rifta Torah, où est-ce que la Torah elle a été marbé? Elle a dit que Malkout et Mammon, c'est pareil. Marabaye Atia Racha Racha. Il y a deux psukim. Une fois il y a marqué Racha dans Malkout, une fois il y a marqué Racha dans Mita. Ça fait un link entre les deux pour dire que là il y a Kimle Ben Beshogeg Ben Mézid dans Mita. Là, il y a Kimle, Ben Beshogeg, Ben Mézid dans Malkout. Regardez les psukim de Racha Racha. Je vous les lis. Velo tikru kofer le nefesh rotsa hacher ou Racha. La mout kimot yumat. Voilà, là-bas, on parle de quoi? De Mita. Vaya imbi dakota Racha. Là-bas, on parle de Malkout. Racha Racha. Là, il y a Kimle, Ben Beshogeg. Là, il y a Kimle, Ben Beshogeg. Ça, c'est Shitat Rava. Rabaye, pardon. Rava, il dit Amar, Rava Amar. Atir Maka Maka. Il fait un Ekech entre Maké. Maké Maké. Il dit, c'est quoi c'est Maké? Où c'est marqué Maké? Marley Rav Papa les Rava. Aïe Maké, de quel Maké tu parles? Il dit ma ou Maké Bema Ishalmena. Ou Maké Adam Yumat. C'est de celui-là que tu parles? Maké Bema Yeshalmena. Ou Maké Adam Yumat. Aïe Bekat l'active. Mais on parle de Mita là-bas. On parle pas de Malkout. Nous on cherche quoi? On cherche un lien entre Mita et Malkout. Toi, tu me fais un lien entre Mita et Mammon. Ah, c'est ça. Ça doit être le deuxième. L'active. Et là, Aïe Maké, de quel Maké on parle? De Maké Nefesh Behema Ishalmena. Nefesh Nachad Nefesh. Il y a marqué là-bas. Si il frappe une Behema, il paiera. Vesamichle. Donc là-bas, on parle de Mammon. Vesamichle. Veish ki ten mum ba'amito. Si un homme il a frappé son copain, qu'est-ce que je vous dis depuis le début des vacances? Quand on frappe quelqu'un, on est ouvert sur un lave. Il y a marqué qui ten ish mumba amito. Si tu fais une blessure à ton copain, kasher asa kenya selo. Comme tu as fait, on te fera. C'est-à-dire que tu as donné des coups, tu recevras des coups. C'est quoi Malkout? Donc on voit ici un lien entre nefesh tacha nefesh qui est mita. Si il a tué un homme, et Malkout, le pasouk qui suit, juste après, qui est qui ten ish va mito, qui parle de Malkout finalement. Kenya natenlo ou Kenya selo. La Gemara dit, ah, il a maqué ou, mais c'est pas marqué maqué, c'est marqué qui ten ish mum va mito. Toi, tu veux faire un xera shava maqué maqué, mais il n'y a pas marqué maqué. C'est marqué qui ten ish mum va mito. La Gemara dit, nachon. Ananaka, aka, kamrinan. Comment il a eu un mum? Parce qu'il a reçu un coup. Donc, ce n'est pas la Xera Shava, mais c'est l'idée. L'idée, elle est la même, à savoir comment il a eu un moum parce qu'il a reçu un coup. Donc, ça revient au même digne de Maké Adam quand il meurt. Tu peux faire un Ekech si ce n'est pas écrit? Deux secondes. Oui, ce n'est pas un vrai Ekech, bravo, exactement. Ce n'est pas un vrai Ekech, même si ce n'est pas écrit le même. Regarde ce qu'il dit Rashi. Aka, 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 Mrinan. Ou moum, aliédé aka ou nitan. Étant donné que le moum dont on parle dans le pasouk, c'est avec une aka, comment il a reçu un moum? C'est sûr qu'il a été frappé. Donc, le moum maqué, finalement, il est sous-entendu. Véa, la Gemara dit, mais attends une seconde. Si on parle de quelqu'un qui a frappé, il prend Malkout? Il prend un coup. Non. Il donne un coup, il prend un coup. Non, pas du tout. Non. Quelqu'un qui a frappé, qu'est-ce qu'il doit payer? Khamisha Dvarim. Nezek, Ripouille, Chevet, Bochette, Pugam. Ils payent. On l'a dit. Que la Torah, mes fourrages, elle a dit que quelqu'un qui a frappé, il paye. Il ne reçoit pas Malkout. Léa, Kiktiv, Bechovel, Bechavero, ou Dirtiv. Arrête ce passou qui parle de Chovel, Bechavero. Toi, tu veux me faire un Ekech entre Mita et Malkout. Pourtant, le passou de Malkout, il ne parle pas vraiment de Malkout. Il parle d'un homme qui a frappé qui va de toute façon devoir payer. Donc comment ça se fait que tu veux faire ici un Ekech avec Malkout? Avec quelqu'un qui a frappé son copain, il ne reçoit pas Malkout, il paye. Il dit, si on n'en a pas besoin pour quand il a frappé
et qui avait chez Prouta parce qu'il a rien à mettre, il payera. Alors on donnera. Quand est-ce qu'il va recevoir Malkout? Quand est-ce qu'un homme qui a frappé, il reçoit Malkout? Jamais. Alors quand est-ce que la Torah elle a parlé qu'il reçoit Malkout? Que quand il n'y a pas chez Prouta. Quand il n'y a rien à payer. Quand il n'y a rien à payer, il a donné un coup. Il a donné un petit coup comme ça. Tac. Il n'y a rien à payer. Comment tu veux, combien tu veux payer? Zéro. Alors qu'est-ce qui se passe? Malkout, ça a coûté plus cher. Donc on a dit, mais sauf. Tachlès, il n'y a pas lieu de dire Kimlé là-bas. Non. Pourquoi? Parce qu'il paye, il n'y a rien à payer. Sauf la partage Lumi, nous. Alors, Zmabjat, tu veux m'apprendre du fait qu'on t'ait dit là-bas que quand il a frappé, il reçoit Malkout, Machma qui paye pas parce qu'il y a Kimlé. Ben Beshoget, Ben Bemizid, parce qu'il y a marqué à côté de Maké Behema que là-bas c'est Ben Beshoget, Ben Bemizid. D'accord? Et là-bas, on parle d'un cas où il ne paye pas. Mais sauf la bataille, mais nous la gmardi l'autre sricha de beade de machia karachirin dile. Qu'au moment où il a frappé, il a déchiré sa chemise. Ah, donc là, sur la haka, est-ce qu'il y a Shari Prouta? Non. Mais il y a la chemise à payer. C'est comme la flèche avec il a déchiré, exactement. Donc oui, il aurait dû avoir un chiyum mamon à travers la chemise déchirée. Mais étant donné qu'il est chayav Malkout, alors il ne payera pas. Ah, mais Malkout, ça dépend de la tra. Omer Esh Lakish, non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Makebe Ema Yishalmena. Makebe Ema, c'est l'Avdavka avec Atra. Tu payes Adamu Adleolam, tu payes tout le temps. Dès que tu as cassé, tu dois payer. Donc dans Malkout aussi, même si tu ne reçois pas Befoal Malkout parce qu'il n'y a pas eu d'Atra, tu ne payeras pas. C'est Rehar Shader Esh Lakish que y a Kimle, comme dans Mita et Mamon, il y a Kimle dans Malkout et Mamon, à savoir Ben Beshogeg, Ben Bemizid, Ben Be Mitkaven, Ben Beshon Mitkaven. Amarle Ravchia le Rava. Ultanal Bechiskia. D'après le Tana de Bechizkia, d'Amar Maké Adam, Maké Behema, d'où est-ce que le Tana de Bechizkia, il apprend que on dit Kimle Ben Beshoeg Ben Mizid, parce qu'il y a marqué Maké Adam, Maké Behema Nachon, vous vous rappelez? Et Maké Behema, on sait que ça ne dépend pas de sa kavana, tu dois payer même si tu n'es pas mis de kavana de casser. Tu casses, tu as quelque chose dans la main, tu le casses, même si tu n'avais aucune kavana de le casser, tu le payes. Adam ou Adléolam. Donc il t'apprend de là, Tana de Chizkia, que Maké Adam, Maké Behema, Ma Maké Behema, il n'y a pas de différence entre sa Kavana ou pas, Mezid ou Shogeg. Alors Maké Adam, il n'y a pas de différence si t'es Mitkaven ou pas Mitkaven, il aura un dit de Kimle. Viens la Gemara demande, Amarle, Ravchia le Rava, ou Tana de Chizkia, Damar Maké Adam, Maké Behema, Mimaï de Bechol Ktiv. Qui a dit que le Passou qui parlait que c'était en semaine? Peut-être que le Passou qui parle qu'il a frappé la Behema quand c'était Shabbat. Alors, s'il a fait une blessure à la BMA Shabbat, il a été Mechael Shabbat. S'il a été Mechael Shabbat, Chayamita. Si c'est Chayamita, c'est normal qu'il soit patour de Tashlumin. Ah, pourquoi il est Chayav? Parce qu'il était Shogeg. Ah, donc tu vois que finalement, si on parle, on déplace le limou de Tanem Riska en disant que ça parlait de Shabbat, on est obligé de dire que c'était Shogeg. Et donc, il n'y a plus le din de Ben des Shogeg de Mézid. Non, il paiera que quand c'est Shogeg, parce que s'il est Mézid, ben, il est patour, parce que c'est qu'il vient d'Arabayuné, les Chayamita, c'est Shabbat. Pourquoi c'est Shabbat? Le Pasouk, Maké Adam, Maké Bema, qui t'a dit qu'il parle d'Anchol? Ok. Mima, laissons parler la Gemara. Mima et Debechol, qui a dit que la Torah, elle parle d'Anchol? Leika, Veleika, les flugués. Et qu'il n'y a pas de différence. Anchol, tu casses, c'est tout le temps Chayam. C'est Chol. Dilma, mais Shabbat, Ktiv. Peut-être que la Torah, elle parle qu'il a frappé la vache de son copain. Shabbat. Alors pourquoi tu me dis tu payes? Parce que t'es Shogeg. Parce que s'il était Mézid, il aurait été Patour, Midin Kimlé. Dilma, Abé Shabbat, Ktiv. Stam, on fait une Ukimta. Une supposition. Peut-être que la Torah, quand elle a dit Maké, Behema, Yeshalmena, il paye parce que c'est Shogeg, Bé Shabbat. Debe Behema, Goufa, Ikali Flugé. Donc dans la Behema elle-même, on va faire le Chiyuv entre Shogeg et Mézid. Et donc on ne pourra plus apprendre Ben Beshogeg Mézid parce que le Chiyuv de Behema, quand est-ce qu'il est? Si on parle Shabbat, que Beshogeg. Pourquoi c'est Shabbat? C'est une Ukimta qu'on fait. Oui, je sais. Pourquoi peut-être que la Torah, elle nous a parlé de Shabbat. Je sais. Ah. Shabbat. Oui. Pourquoi c'est un Chiyuv de Shabbat? Ah, il a fait signer la Behema. Chabala. La Gemara dit c'est impossible. C'est pas mal. Tu as bien tenté, bien que ça semble un peu bizarre de dire que la Torah elle va parler d'Afka et Shabbat. Mais la Gemara, elle t'a dit ça juste pour arriver au Tirutz, pour te montrer. On ne peut même pas imaginer une chose pareille. Pourquoi on ne peut pas imaginer que c'est Shabbat? L'eau, ça le Kalatar. Il n'y a pas d'Avamina pareil. Pourquoi? Dire-t-il, parce qu'il y a marqué Umake Behema Yeshalmena. Quand tu frappes la Behema, tu payes. Umake Adam Yumat. Quand tu frappes un homme et qu'il meurt, tu meurs. Attends, souvent. Il meurt. Pourquoi il meurt? Parce qu'il y a eu Atra.
Donc il est méside. Donc dans Maqué BMA, il y a eu Atra. Donc il est méside. Après il paye si c'est Shabbat. Là le Kochar, c'est quand? Non. Si le Shogeg, tu peux pas dire Maqué Adam Yumat. Donc c'est quand? Chol. Echidame. Id Elohi Troubé. Il a fait le raisonnement l'envers. Ben oui. Si il n'y a pas eu d'Atra. Pourquoi Maqué Adam Amayumat? Maqué Adam Amayumat? Pourquoi? Ah, il y a marqué Maqué BMA Yishalmena. Maqué Adam Yumat. Tu me dis que c'est Shabbat? Ok, bon irait, bon irait. On va réfléchir. Peut-être c'est Shabbat. Il y a marqué Maqué Adam Yumat. Pourquoi il meurt? Parce qu'il y a eu Atra. C'est sûr. Alors s'il n'y a pas eu Atra, Amayumat. Pourquoi? Et là, Pshita des Troubé. Donc c'est évident qu'il y a eu Atra. S'il y a eu Atra, comment ça se fait que Maqué BMA Yishalmena a eu Atra sur Shabbat? S'il y a eu Atra sur Shabbat, il est Kimne Bidin Ramamine. Il est Mézid. Donc il ne devrait pas payer. Mais il Shabbat, Maqué BMA Yishalmena, et là. Et là, là, Véchol. Donc, on est... Donc, tu vois bien que finalement, on en arrive à la conclusion que c'est évident que ce n'était pas Shabbat, c'était en semaine. Et donc, le Tana de Chizkia a bien parlé en disant si la Torah nous a mis à côté l'un de l'autre, à savoir Maqué Adam, Maqué Behema, c'est pour nous dire qu'ils ont un lien. C'est quoi ce lien? Que Maqué Behema, tu es tout le temps Khayav, parce que tu es Adam Moad Leolam quand tu casses quelque chose. Alors, Maqué Adam, qui l'a tué, il est tout le temps Pato Midin Kimle, même s'il était échaugué. Amarle Ravapa les Abayé. On a. Finalement, deux sougiotes. On a vu un dîne de Rabat dans le Daf Lamed Dalet, très important. Rabat, il nous dit, un chidouche atsoum, que comme quand la Torah est mechayabet knas, il n'y a pas kimne. C'est comme ça. Rabat, il a un chidouche. Il dit, comme c'est un knas, ma pitam qui reçoit autant d'argent, lui, finalement. C'est un knas. Si c'est un knas, c'est-à-dire dans, par exemple, Arba Bachamisha. On lui a voulu une vache, on va lui en payer 5. 5 vaches, il va recevoir. Vous vous rappelez, on en a parlé. On a dit, les Rishonim me demandent, pourquoi il va recevoir 5 vaches? Que tu sois connaisse le voleur, mêlé, ça je comprends. Mais que ça soit le volé qui récupère la mise, pourquoi? Donc étant donné que c'est un knas et que c'est un grand chidouche, il y a Choliot qui devra payer, même si Akimlé. À savoir, il a volé et l'a chrité pendant Shabbat. C'est un cas, pardon, en fait. Voilà. Il n'y a pas kiblé dans Knas. Car on met Rabat. Rabat, il dit, si quelqu'un il fait la shrita d'une vache qu'il a volée pendant Shabbat, alors il n'y a pas kiblé. Il est rêve de payer. Il n'y a pas de Knas. Il n'y a pas de tour de kiblé dans Knas. Alors maintenant qu'on a cette information de Rabat, on va essayer de le faire avec, avec l'autre souya, à savoir les deux Mishnayot, celle de Ktubot et celle de Makot. Comme qui y pense Rabat, à votre avis? Alors, dans Ktubot, il y a marqué qu'il paye le Knas, et dans Makot, il y a marqué qu'il est éloqué. Donc, regardez ce qu'elle nous demande la Gemara. C'est Rav Papa qui demande d'abayer. Marle Rav Papa les abayer. Les rabbins d'Amar Chidush ou Shichitcha Torah Beknas. D'après Rabat, qu'il y a un Chidush dans Knas, qu'un homme, même s'il meurt, il paye. Va faire gaffe des Miktil Meshalem. Même s'il meurt, il paye. Matnitin, Keman, Mukimla. Comment Rabat il va établir la Mishnah? Alors, dans notre Mishnah, marqué. Qui paye? Hein? Oui, mais dans notre Mishnah, il ne meurt pas. Ok. Mais il y a Malkout. Iki Rabbi Meir, Kashi Abito. Si c'est comme Rabbi Meir, notre Mishnah, que c'est pas grave qu'il paye et qu'il y ait Malkout, d'après Rabbi Meir. C'est compatible. C'est compatible. Ça marche ensemble. Ok. Mais la Mishnah qu'on verra demain dans la Medvav, il est marqué que s'il était Méhanès, il a violé sa fille, là, il meurt. Et quand il meurt, il n'y a pas de Knas. Donc, Kashi Abito. Pourquoi quand il meurt, pourquoi il y a. Pourquoi, d'après Rabbi Dori, il y a le Knas dans le Bito. Oui. Bish, la valet Rabbi Yochanan, la Gemara va dire. On va être obligé de dire, il n'y avait pas d'Atra. Ah, s'il n'y a pas d'Atra, alors. Ah non, mais même s'il n'y a pas d'Atra, il devrait être pas tour de Knas. Caché à Bito. Même s'il n'y a pas d'Atra, il devrait être pas tour de Knas. Parce que. Il est, même Béchogeg, il n'est pas tour de Knas. Je réfléchis à haute voix. Bon, on va voir la Gemara ce qu'elle va dire. Kiman ou Kimla. Donc, comme qui va établir la Mishnah Rabba? Ik Rabbi Meir Kasha Bito. Comment c'est que dans Bito, il ne paye pas le Knas? Arrête d'après Rabba, tu payes le Knas même si tu meurs. Ik Rabbi Nechonia Banakane que dans Karet, il y a Kimle Kasha Achoto. Pourquoi il paye le Knas dans Achoto? Il devrait y avoir Karet, d'après Rabbi Nechonia Banakane, puisque. Il y a Kimlé dans Karet. Donc il ne devrait pas payer. Ikerabi Itzrak, Kasha Mamzeret.
d'après Rabbi Yitzhak, que dans Karet, il y a pas Malkout. Donc, ah, c'est ça le vort. Que c'est lié avec Malkout. Que dans Karet, d'après Rabbi Yitzhak, il n'y a pas Malkout. Mais dans Mamzeret, il y a Malkout. Donc, s'il y a Malkout, il ne devrait pas avoir Mamon. Pourtant, dans la Mishnah, il y a marqué que sur la Mamzeret, il paye Mamon. Donc, en deux mots, la Gemara dit, si Rabba, il pense comme Rabbi Meir, caché à Bito, pourquoi il paye dans Bito? S'il pense comme Rabbi Nochamina Kané, pourquoi il paye dans Achoto? Et s'il pense comme Rabbi Trak, pourquoi il paye dans Mamzeret? Alors, à chaque fois, il y a une Siba d'être poter. Regardez ce qu'elle dit, la Gemara. Ce qu'il dit, Rashi, pardon. Les rabbins, je prends Rashi en haut. Les rabbins, des Amar, les Rabbi Meir, Hidouchou. Madnitin Keman. Ah, c'est pour Rabbi Meir qu'il avait dit ça. Ah, c'est ça. C'est que Rabbi Meir. C'est que Rabbi Meir qui disait que, d'après Rabbi Meir, que l'Okeum Shalem. C'est ça qu'il avait dit Rabba. Rabba, il avait dit, d'après Rabbi Meir, l'Okeum Shalem, D'après Rabbi Meir qui dit l'Okeum Shalem, il dit aussi Metum Shalem quand c'est un Knas. C'est que pour Rabbi Meir qu'il a dit ça. Oui, mais si on dit que la Mishnah c'est Rabbi Meir. Comment ça se fait que Bito il paye pas Metum ouais. Shalem dans Knas. Dans tous les cas, il devrait avoir les deux. Voilà. Et si c'est Rabbi Nechonia Ben Akane, pourquoi dans Choto il paye? Et si c'est Rabbi Yitzhak, pourquoi dans Mamzeret il paye? Harry, c'est... il y a Malkout. Il devrait être pas tour. Bravo. Iki Rabbi Yitzhak, Hachem Mamzeret. Anicha, il savait la Rabbi Yochanan. Ça, bien s'il pense comme Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de Atra dans notre Mishnah. Pour ça qu'il paye. Ah, Nami, mais t'as resté la Rabbi Yochanan. Il paye parce qu'il n'y a pas eu d'Atra. Mais s'il pense comme Rish Lakish que même sans Atra, il y a un tour de Kimlé, alors pourquoi il paye? Et là, il savait que Rish Lakish et Rimit Arrest là. Donc on est obligé de dire que Rabba, il pense comme Rabbi Yochanan. Je répète. Rabba nous dit que les Shita de Rabbi Meir, il y a les deux. Il y a Mita ve Knas. Les Shita de Rabbi Meir. C'est pas compatible avec Rish Lakish, ça. Rish Lakish, il dit que notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Mais si notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, alors pourquoi dans Bito, la prochaine Mishnah, il ne paye pas? Arrête, d'après Rabbi Meir, Metum Shalem. Il y a les deux. D'accord? Et là, le Kohar, il pense comme Rabbi Yochanan, que notre Mishnah, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'Atra, et c'est pas Rabbi Meir. Parce qu'il n'a rien à mis. D'après Rabbi Meir, il devrait payer aussi dans Bito. C'est clair? Et la Gemara a essayé de dire, peut-être c'est Rabbi Nochamina Kané? Non, parce que d'après Rabbi Nochamina Kané, il y a Kimlé dans Achoto, dans Karet. Et si c'est Rabbi Yitzhak, qu'il n'y a pas de Malkout dans Karet, d'après Rabbi Yitzhak, un Karet ne prend pas Malkout. Ah, donc en deux mots. Il n'y a pas la question comment ça se fait qu'il paye. Arrête, il paye parce qu'il n'y a pas Malkout. Oui, mais dans Mamzeret, c'est sûr qu'il y a Malkout. Pourquoi il paye? D'après Rabbi Yitzhak. Là, le Coran, on est obligé de dire que finalement, pourquoi il paye? C'est parce qu'il n'y a pas eu d'Atra, comme il a dit Rabbi Yochanan. Deuxième question. Amarle, Rav Matna, les Abaye. Les Resh Lakish, d'Amar, Befirouj, Rifta Torah, Chayve Malkouyot, Kechayve Mitot. D'après Resh Lakish qui dit que Malkout. Yakim le ben meshoed ben mizim comme dans Mita. Mantana de paligalire de Rabbi Nochamina Akane. Qui est le Tana qui relègue sur Rabbi Nochamina Ben Akane? Pourquoi? Rabbi Nochamina Ben Akane nous dit que même dans Karet, il y a un tour de Kimlé. Or, dans Karet, il y a aussi Malkout. Ok? Mashma que d'après Rabbi Nochamina Akane, tout le tour de Kimlé, il vient par Karet, il vient pas par Malkout. Donc ça veut dire que. D'après Rabbi Nechunia Ben Akane, en cas d'avoir que dans Malkout Beshoeg, tu payes pas. Tu payes. Alors pourquoi dans Karet, tu payes pas? Parce qu'à Karet. Mais dans Malkout, Malkout n'est pas suffisant pour être poter au taux de Tachoum. Karet, c'est suffisant, pas Malkout. Qui est le Tana qui relève sur Rabbi Nechunia Ben Akane? D'après Rech Lakish qui dit qu'il y a Kimlé dans Malkout. Il Rabbi Meir, il Rabbi Yitzhak. Soit Rabbi Meir, soit Rabbi Yitzhak. Ce sont les deux. D'après Rabbi Meir, c'est oui. Évident parce que d'après lui, il y a Malkout. Et exactement, et Tachoum. Et d'après Rabbi Yitzhak, il n'y a pas Malkout. Donc c'est les deux Tanaïm qui peuvent être Cholkim sur Rabbi Nechonia Ben Akane. Que d'après Rabbi Nechonia Ben Akane, le Karet, il engendre Kimlé, Ben Bechouret Ben Muzin, mais pas Malkout. Alors que d'après Rabbi Meir, le Aliba de Resh Lakish, seconde. Que d'après Rabbi Meir, loke ou mshalem, et donc il n'y a pas lieu de dire kimle bichlal, ou d'après Rabbi Yitzhak, comme il n'y a pas de malkout, il n'y a pas lieu de dire kimle non plus. Ok. Et donc c'est sûr qu'il paiera. Tanu Rabbanan. Arayot,
On va voir c'est quoi les arayot. Veshniot, on avait vu dans Yevamot que c'était les arayot midivrei sofrim, des rabbanan. Veshniot, les arayot, en même classe. Et ça veut dire la mamie. Bravo. La mère. La mamie. C'est-à-dire la deuxième d'or. Bravo. La mère, c'est d'oraïta, la mamie, c'est des rabbanan. C'est la nerda. Non. Non. Pas du tout. La nerda, elle est à Sura Minatora parce que c'est bat bito, bat beno. Celle-là, elle est d'oraïta. Ah. Alors, on y va. Donc, arayot, vishniot, larayot, enaen, knas. Velo pitouy. Donc, ni knas de ones, ni knas de pitouy. Amemaenet, une petite fille qui a fait mioun et qui est donc normalement, a déjà une bia. Enaen, knas, puisqu'elle a plus de betoulim. Velo pitouy. Sur ça, il marque le grachit dosot. Est-ce qu'on parle que c'est son mari qui l'a violée? C'est un étranger. Aïlonite, qui n'a pas de simanim, et donc elle a un dîme de ktana. Elle a knas. Elle a lo knas et lo pitouille. Elle n'a pas de knas, elle n'a pas de pitouille. Donc elle n'a pas de knas de honnête, elle n'a pas de knas de pitouille. Vayotzen, mishum shemra, quand le mari dit j'ai pas trouvé les betoulim, et donc elle est bechreskat be ou la, elle a lo knas et lo pitouille non plus. Ok. Donc ici on a une liste de femmes qui n'ont pas ni lo knas et lo pitouille, lo knas de honnête et lo knas de pitouille. On va y aller. Les athlètes. Maï arayot ou maï chignot. C'est quoi déjà les arayot et les chignot? De quoi tu parles? Ou maï chignot l'arayot. Il y ma arayot. Si tu me dis que les arayot, arayot mamash. C'est quoi arayot mamash? Sa fille, sa sœur, sa mère, arayot mamash. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de knas. Pourquoi? Parce qu'il est chayamita. Chignot, c'est quoi? Midivrei sofrim. La mamie, c'est midirabanan. Deux secondes. Minatora, elle a un knas ou pas? Mais d'un autre côté, elle peut pas être, on peut pas être mamie et être bétoula en même temps. C'est un peu compliqué. Mais il y a d'autres chignotes. Marie a réussi. Il y a d'autres chignotes qui peuvent être bétoulotes. Ok. Donc imaginons une chignia derrière la banane qui est bétoula. Pourquoi elle n'aurait pas de knas? Arrive Minatora, magia la knas, nakhon. C'est juste que derrière la banane, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais Minatora, il est khayab de payer un knas. Donc la Gemara demande. Chignot, mi devrait s'offrir. Qui va dire Minoraïta Khazialé, étant donné que Minatora peut se marier avec elle, puisque c'est Minatora, c'est Moutard. Ama yen la Knas, pourquoi le repas de Knas? Et là, Kochar, c'est pas ça, Chignot. Et là, Arayot, Khaïve Mitot Bedin. Arayot, c'est Bito. Et c'est des femmes qui sont Khaïve Mitot Bedin. Chignot, Khaïve Kritout, Achoto, Khaïve Karet. Ça, c'est les Chignot. Donc tout est d'Oraïta, évidemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Knas. Aval Chayv Lavin, Yeshlein Knas. Mais quand c'est de Chayv Lavin, par exemple, Mamzeret, Yeshlein Knas. Comme qui ça va? Comme celui qui pense que pour avoir un Knas, il faut que ça soit au moins Kiddushin, Tovsin. Ou Mané, Shimon HaTimni. C'est Shimon HaTimni qu'on avait vu au début du Perek, que d'après Shimon HaTimni, Velotiye Leisha, c'est quoi Velotiye Leisha? Il n'y a pas besoin de pouvoir rester marié avec elle pour payer Knas. Velotiye Leisha, il faut qu'il y ait une Avaya. Mazé Avaya, Kiddushin. Avec une Mamzeret et des Kiddushin, il paye le Knas. Ika de Amri, il y en a qui expliquent différemment. Arayot, Chayve Mitot Bedin, Vechayve Kritout. Ça, c'est la Arayot. Shniot, Chayve Lavin. C'est la Mamzeret. Mané, Rabbi Shimon Nasiaï, que d'après Rabbi Shimon Nasiaï, Velotie Leisha, une femme avec laquelle il peut rester marié, c'est elle qui payera le Knas. Or, une Mamzeret, étant donné qu'il ne peut pas rester marié avec elle, même s'il est Kiddushin ou Tovsin, il ne payera pas le Knas, parce que lui, il dit Velotie Leisha, pas Milachon Avaya, Milachon Kiyum. Et donc c'est pour ça que ici, d'après le cadavre, on va d'après Rabbi Shimon Nassia que dans la même sérette, il ne payera pas le Knas. Parce que même s'il utilise son toxine, il ne peut pas rester marié avec.